Cet hôpital fait partie du réseau d'établissements construit par la mission presbytérienne américaine, présente dès 1871. Laissé jusqu'à ses dernières années dans un état de quasi-abandon, il revit aujourd'hui grâce au docteur Céline Zambé. La fréquentation de l'hôpital a augmenté. On a de plus en plus de patients. Les patients préfèrent venir chez nous plutôt qu'à l'hôpital du district qui est financé par l'État.